Je réfléchissais à Jésus, je me dis c'est quand même allé vachement loin cette histoire. On part quand même d'un délire d'une nana qui s'est retrouvée enceinte de pas son mari. À mon avis, on avait dû la marier de force, tu vois, contre deux moutons et une truie à l'époque. Hein. Ça faisait plaisir à son père, elle s'est dit allez, vas-y, bon, ok. Elle pouvait pas lui acheter un iPhone qu'elle n'avait pas. Par contre, pas moyen, Jojo, ceinture. Elle avait quand même des envies et s'est dit tiens, je vais aller voir le petit voisin, il est pas mal. Hop, hop. Faut bien penser que les préservatifs en boyau de mouton, c'est pas. Bah, sécure, arrive ce qui arriva, paf, la voilà enceinte, la Marie. Le Jojo, il se dit, bah dis donc, Marie, elle est un peu forcie. Il a réfléchi, il se dit, c'est pas les 3 miches de pain qu'on mange par an qui va la faire grossir. Comment ça se fait? T'es enceinte. Parce que moi j'ai vu les chèvres faire et nous on fait pas. Donc, bon, Marie, elle est un peu au pied du mur, alors elle tente un truc, elle dit, c'est Dieu. Non, oh, c'est. Oh, c'est. Oh, c'est Dieu qui m'a fécondé en wifi. Alors, je sais pas si elle est hyper convaincante ou si il est un peu con, ça passe. Alors, ça se trouve, la Marie, elle était juste en train de dire, bah, c'est le voisin du dessus. Et l'autre, il s'est dit, ouais, bah, super, ah, bah, écoute, c'est Dieu. Ah, bah, voilà, et bah, ça a marché. Sauf que quand même, ça allait vachement loin, le bordel, quoi. Tu m'étonnes que le gamin est né, il se la pète. Bah, ouais, on lui dit, les fils de Dieu, il se la pète, c'est normal. Moi, j'aurais été pareil. On m'aurait dit ça, les gars. Elle est mal finie, cela dit.